Sœur Claire, vous allez nous commenter l'évangile du quatrième dimanche de carême de l'année C. C'est l'évangile de l'enfant prodigue, du père qui avait deux fils. Voilà. Donc la liturgie va nous faire entendre chapitre 15 de Saint Luc, les trois premiers versets, et ensuite on saute au verset 11 avec la parabole. Moi je commence direct au verset 11, où il est écrit « Un homme avait deux fils ». Et on va voir qu'à travers ces deux fils, on a une très bonne exégèse du péché originel. C'est l'année de la miséricorde, c'est le moment de parler du péché, parce que s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas besoin de miséricorde. Donc ces deux fils représentent tous les deux une manière de péché qui nous renvoie au premier péché, au péché des origines sur lequel méditent les auteurs bibliques. Alors, ce péché, c'est clair et net, hein, tous les deux, c'est le manque total de confiance dans l'amour de leur père. Ils doutent de leur père et ils pensent qu'ils peuvent vivre sans leur père. Donc c'est un mensonge sur leur père. Ils vivent dans un état de mensonge concernant leur père, exactement comme Ève a laissé le mensonge s'introduire en elle quand Satan a mis en doute l'amour dont Dieu les aimait et le don que Dieu avait pu faire à Adam et Ève, les dons qu'il avait pu leur faire. Quand on va au livre de la Genèse, chapitre 2, verset 16, il est écrit « Le Seigneur Dieu, alors c'est après la création d'Adam, le Seigneur Dieu fit à l'homme ce commandement, je t'en supplie, mange de tous les arbres du jardin, sauf un, bien sûr, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cet arbre était le signe de la liberté d'Adam et d'Ève par la suite. C'était le signe qu'ils choisissaient librement d'obéir à Dieu ou de lui désobéir. Donc, Adam avait bel et bien entendu, « Je t'en supplie, mange de tout. » Et quand on va voir ce que le serpent dit à Ève, chapitre 3, toujours au livre de la Genèse, verset 1, le serpent dit à la femme, « Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » C'est-à-dire qu'il met en doute le fait que Dieu puisse tout donner. Ève l'entend, le croit, doute de l'amour de Dieu, et du coup se dit qu'après tout, elle peut bien se passer de Dieu et jouir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal en tournant le dos à Dieu, et Adam fait la même chose. On voit bien que ces deux fils, c'est ça, hein, c'est on n'a pas confiance en Dieu, on ne croit pas que Dieu peut tout donner. Alors le premier, il réclame sa part, et le deuxième, il va dire « tu m'as jamais rien donné ». Alors que qui est Dieu? Il est celui qui donne absolument tout. Alors le texte continue. Le plus jeune fils, tout le monde connaît ça par cœur, dit à son père « Donne-moi la part de fortune qui me revient ». Il demande une part alors que le père veut tout donner. Et le père ne répond pas à cette demande, vous remarquerez. « Le père leur partagea la vie », dit le grec, « leur partagea ». Le jeune, il demande pour lui sa part et la réponse du père, c'est qu'il donne aux deux toute la vie. Parce que c'est très exactement ce que dit le grec. Le grec dit « ton bion ».« Ton bion », ben, ça veut dire la vie. Bon. Donc vous voyez, le fils prodigue s'en va loin de son père parce qu'il ne pense pas qu'avec son père, il a tout. Il n'a pas du tout compris qui était son père. Alors la suite, on la connaît. Il dilapide sa fortune, il mène une vie. Alors une vie de désordre, c'est traduit comme ça pour la traduction, dans la traduction liturgique. Le grec parle d'une vie qui ne peut pas déboucher sur le salut. C'est un adverbe en grec, inventé par Saint Luc d'ailleurs, qui dit « asotos ». « Sotos », ça veut dire « salutaire », et « asotos », c'est le contraire. Donc il gaspille tout dans une vie qui le conduit à la mort. Et alors ensuite, on voit qu'il va garder les cochons, enfin bon, il va de déchéance en déchéance, les porcs qui étaient des animaux impurs, et il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, et regardez ce qu'il y a écrit, texto, « personne ne lui donnait ». Il n'y a pas écrit « personne ne lui en donnait », et la traduction liturgique, très bien, a mis « personne ne lui donnait rien ».
C'est-à-dire qu'il a quitté un lieu où on lui donnait tout, c'est-à-dire quand on est en Dieu, on reçoit tout, pour aller du côté du domaine de Satan où on ne donne rien. Voilà la différence. On ne donne rien alors que Dieu donne tout. Il s'est installé dans un pays où personne ne donne. Et du coup, il fait mémoire de ce qui se passe dans la maison de son père. Il se dit, les ouvriers de mon père, il se rappelle, les ouvriers de mon père, ils ont du pain en abondance, alors que moi je meurs de faim. Voilà. Donc tout d'un coup, il fait la comparaison entre les deux modes de vie et il se rappelle qui est son père. Son père, qui dans la parabole, bien sûr, représente Dieu. Dieu qui nous dit, par exemple, par la bouche de Jésus, dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 10, verset 10, « Je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en surabondance. » Ou encore, regardez ce que dit Saint Paul dans ce très beau passage de l'Épître aux Éphésiens, « À celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir, à lui la gloire dans l'Église et le Christ Jésus pour tous les âges et tous les siècles. Amen. » Ça, c'est le monde de Dieu. Le monde de Satan, personne ne donne rien. Alors ensuite, vous avez le Fils qui se lève dans un mouvement de résurrection, qui décide, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et là, je reconnaîtrai mon péché. La lumière de son Père l'a déjà rejoint, parce que reconnaître son péché, c'est déjà recevoir la lumière de la grâce. Donc j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Voilà, il a prévu ce qu'il allait dire, c'est-à-dire il reconnaît son péché, il accepte la pénitence qui accompagne son péché. Il se lève et il part vers son père. Et il est dit, comme il était encore loin, son père l'aperçut. Son père a un regard divin. Dieu voit tout. Ce que nous sommes, ce que nous faisons, son regard nous précède. Donc son père le voit de loin, et c'est parce qu'il le voit de loin, c'est ce regard qui va rejoindre le fils et qui va lui permettre de se lever et de se précipiter pour réintégrer la maison du père. Parce qu'il est dit, son père l'aperçut, et ses entrailles maternelles se sont retournées d'amour pour lui. Et du coup, il court se jeter à son cou et le couvre de baisers. C'est Dieu qui court vers lui, c'est le Père qui court encore plus vite que le Fils. Il y a un très beau texte là de Saint Pierre Chrysologue qui commente l'attitude du Père. Son Père le vit, le Père le voit, et c'est pour cela qu'il est possible au Fils de s'élancer vers son Père. Le regard du Père éclaire les yeux de son Fils qui vient à lui et dissipe toute l'obscurité qui l'enveloppait du fait de sa faute. Il le vit de loin et fut ému de compassion. La miséricorde émeut celui qui est immuable. Il accourt, non pas physiquement, mais dans un élan de tendresse. Le Père se laissa tomber sur l'épaule de son Fils. Ce n'est pas une défaillance sensible, mais le mouvement de sa compassion. Il se penche pour relever son Fils gisant à terre. Il se penche sur lui, enlevant par le poids de l'amour le poids du péché. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui ployez sous le fardeau. Prenez sur vous mon fardeau, car il est léger. Voilà. La rencontre de ce fils avec la miséricorde du Père. Ensuite le Père, alors c'est magnifique, le revêt de trois choses qui représente que non seulement il est pardonné, mais il a encore plus que quand il était parti. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le texte nous dit que le Père va faire chercher la première robe. Je suis désolée pour le plus beau vêtement, mais c'est la première robe pour qu'il en soit revêtu. Cette première robe, c'est l'habit de lumière, toute la tradition nous le dit, c'est l'habit de lumière qui revêtait Adam et Ève avant le péché. Adam et Ève, avant le péché, étaient habillés, tout le monde sait ça. Ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et de Dieu, le psaume 104 nous dit, au verset 1 et 2, «
Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de faste et d'éclat, drapé de lumière comme d'un manteau. Donc Adam et Ève étaient revêtus d'un habit de lumière comme d'un manteau. Quand ils se sont détournés de Dieu, ben ils ont rejeté cet habit de lumière en rejetant Dieu. C'est cet habit de lumière qu'ils ont rejeté. Et voilà que le Seigneur nous le rend. C'est la robe de baptême, évidemment. C'est la robe, c'est le vêtement blanc, étincelant de la transfiguration, etc. C'est signe que non seulement nos péchés sont pardonnés, mais qu'on est divinisé. C'est un vêtement divin qui nous est donné. C'est cette robe dont le Père fait revêtir le Fils. Donc, premièrement, cette première robe. Deuxièmement, une bague. Je suis un peu désolée aussi parce que ce n'est pas une bague, c'est un anneau muni d'un sceau. Par exemple, on a ça au chapitre 41 du livre de la Genèse, quand Pharaon confie tous ses biens et tout son pouvoir à Joseph, le 11e fils de Jacob, voilà ce qu'il dit. « C'est toi qui seras mon maître du palais et tout mon peuple se conformera à tes ordres et je ne te dépasserai que par le trône. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. » Et Pharaon ôta son anneau, alors c'est le mot qui est ici, pour le fils prodigue, ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Ça veut dire qu'il lui confie tout son pouvoir. Regardez, ce fils qui revient repentant comme un esclave, il est traité comme un roi. Il reçoit le pouvoir de la main de son père. C'est ça l'anneau. Et puis, troisièmement, il est question des sandales. Ça veut dire, tu es revenu et maintenant tu vas pouvoir partir en mission pour annoncer ma miséricorde. Ce sont les sandales, évidemment, du missionnaire. Ce sont les sandales de l'épouse du Cantique des Cantiques, une fois que, bon, qu'elle est revenue à l'époux, la Shulamite. Il est dit ceci, Cantique 7, 2, que tes pieds sont beaux dans tes sandales. Alors, ça rappelle évidemment Isaïe 52, 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix, du messager de bonne nouvelle qui annonce le salut et qui dit à Sion, Dieu règne. L'enfant prodigue, il va être envoyé en mission, revêtu de la première robe et de l'anneau, il va pouvoir partir en mission. Voilà ce dont son père le comble. Et puis alors, pendant ce temps-là, vous avez le fils aîné, qui était au champ, c'est très mal vu dans la Bible d'être au champ, parce que c'est pas des champs, c'est des friches. Il est au champ comme Ésaü qui passait sa vie dans les champs. Qu'est-ce qu'il faisait dans les champs alors que son père était en train de guetter le retour du fils? C'est terrible. Bien sûr qu'il s'était coupé de son père lui aussi. Et la preuve, c'est qu'il se demande ce qui se passe. Il va pas demander à son père. Il va demander au serviteur ce qui est en train de se passer. Il ne va même pas jusqu'à son père. Et il refuse d'entrer. Et pour la deuxième fois, le père sort pour le supplier. Il est sorti pour le plus jeune, il sort pour le fils aîné. Le fils aîné qui est encore dans une attitude terrible, qui accuse tout le monde, il accuse son frère, il accuse son père de ne jamais lui avoir rien donné. Et la fin du texte, la réponse du père, c'est pour le fils aîné et pour nous. Bon, le fils aîné, on espère qu'un jour il a pu le recevoir. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Ça, c'est magnifique. Jésus le redira dans Saint Jean chapitre 17 au verset 10. Tout ce qui est à moi est à toi et tout ce qui est à toi est à moi. On entre dans le mystère trinitaire. On est appelé à rentrer dans le mystère de Dieu. Donc le père lui dit ça, et puis il lui rappelle la joie immense qu'on éprouve quand un pécheur se convertit. Joie immense parce qu'il y a non seulement la conversion du pécheur, mais il y a double grâce qui est déversée sur lui. Et je voudrais terminer avec un texte que cite le pape François dans son livre « Le nom de Dieu et miséricorde ». Il cite une oraison de la liturgie ambrosienne. Tu t'es penché sur nos blessures et tu nous as guéris, en nous donnant un remède plus puissant que nos plaies, une miséricorde plus grande que notre faute. Ainsi,
en vertu de ton amour invincible, même le péché a servi à nous élever à la vie divine. Sœur Claire, merci.